Enfin, les amis, on y est. Je ne pensais honnêtement pas que ça arriverait aussi vite que ça, parce qu'on est en 2024. Je pensais qu'il faudrait au moins 5-6 ans pour que ça commence à arriver, mais non, ça y est, c'est déjà en train d'être là en France. Il y a un parti islamique qui se présente aux élections européennes, qui est là pour promouvoir un islam juste et humaniste. On va écouter ça, c'est complètement dingue. Donc souvenez-vous, avant de commencer, hein, que la Belgique, par exemple, a déjà son parti islamique. Sauf qu'en Belgique, eux, ils prônent la charia et la vertu du voile obligatoire. Alors que eux, je suis pas sûr, je crois pas qu'ils prônent la charia. Ok. C'est moins pire que la Belgique. Mais ça arrive partout, hein, et vous allez voir qu'il y a ça aussi en Allemagne. De toute façon, moi je vous l'ai dit, hein, dans 20 à 30 ans, il y aura des pays européens musulmans. Officiellement avec un président musulman qui va imposer des règles islamiques, etc. Mais c'est obligatoire. C'est obligatoire vu comment ça se profile. Donc ce parti s'appelle l'Alliance européenne des mosquées et elle a tenu son premier conseil à Paris. Elle veut promouvoir le véritable message de l'islam et faire barrage à l'extrême droite. Donc il n'y a aucune vanne, hein, c'est vraiment un parti qui se présente aux élections européennes. On est en plein dedans, hein. D'accord? Les fantasmes d'extrême droite, etc. On est en plein dedans. Une alliance européenne des mosquées et leaders musulmans, baptisée Amal, qui veut dire espoir phonétiquement, a tenu son premier conseil vendredi à Paris pour promouvoir un islam juste et combattre les discriminations visant les musulmans. Et que les musulmans, hein. C'est-à-dire que les discriminations envers les autres s'en ont rien à foutre, d'accord? Puis de plusieurs années de travail, l'Alliance des mosquées, associations et leaders musulmans en Europe, aussi appelée AMAL, donc A pour Alliance, M pour mosquée, etc., ok, avait été officiellement lancée le 7 octobre à Paris avec des responsables musulmans de 17 pays, mais sa naissance avait été occultée par l'attaque du Hamas en Israël. Et là, comprenez bien, il y a écrit que c'est une alliance avec des responsables musulmans de 17 pays. Et en fait, ce parti, il est implanté partout en Europe. Et vous allez voir que l'Allemagne, par exemple, en fait partie, etc. Donc c'est vraiment pas une vanne, on est en plein dedans, ça arrive à une vitesse que, si vous voulez, même les complotistes, ils l'ont pas vu venir, d'accord? Il y en a, ils vous ont dit, ouais, dans 5, dans 10 ans. Non, ça y est, c'est là, en fait, il a fallu, je sais pas, 5 mois, d'accord? Ça va trop vite. Vraiment, c'est un truc de fou. Il s'agit d'unir les voix et les efforts des institutions et personnalités musulmanes à travers l'Europe en défendant le véritable message de l'islam, contraire à toute forme d'extrémisme et en protégeant la dignité et la citoyenneté des musulmans, a affirmé le recteur de la grande mosquée Chemseddine Hafiz lors d'une conférence de presse. Association de droit français, organisée autour de la GMP qui assure son financement, l'AMAL ambitionne notamment de coordonner les actions pour lutter contre la haine et les discriminations anti-musulmanes, de promouvoir les valeurs humanistes de l'islam, de lutter contre la radicalisation et de faire barrage à l'extrême droite. C'est bon, j'ai l'impression de voir un peu un parti de gauche. Leur programme, c'est d'être gentil, l'humanisme, faire barrage aux méchants, etc. Mais concrètement, c'est quoi leur projet politique? Je ne comprends pas. C'est quoi leur projet politique concrètement sur l'écologie, la politique, la société, l'économie? Il n'y a rien. Non, c'est on va lutter contre les méchants. Les musulmans, ils sont très gentils. Votez pour nous. Ok. Participons aux élections européennes, a plaidé Hafiz en défendant un islam juste. Pour Abdassamad El Yazidi, vice-président de l'AMAL et secrétaire général du Conseil central des musulmans en Allemagne, notre rôle est de mobiliser les gens pour qu'ils participent au vote face à une extrême droite qui veut que les États européens se retournent contre les valeurs fondatrices de l'Europe. Donc... Et du coup, faire de l'Europe un pays musulman, ça va dans le sens des valeurs fondatrices de l'Europe. Ok. En tout cas, ça va aller très vite, hein. Parce que je peux vous dire qu'avec la quantité de musulmans qu'il y a en Europe, ce genre de parti-là, ça va exploser à une vitesse mais absolument fulgurante. Des migrants, on en accueille à l'échelle de l'Europe, des dizaines de millions par an. Peut-être même par mois.
Mais par an, c'est sûr, en tout cas. Je peux vous dire que ce parti-là, il va mais exploser. Préparez-vous, hein. On vous a dit dans 5-10 ans, ça a déjà commencé. Préparez-vous. On va regarder les commentaires. L'État islamique imposé peu à peu. Ça tombe bien, 82% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Donc indirectement faire barrage à l'islam. Ben voyons, dégagez au bled. Le véritable message de l'islam, la charia. Bientôt leur propre parti, Jean-Luc Mélenchon et sa clique vont se faire la gueule. La LFI en PLS, le Rassemblement colonial. Ok. Ici, alors là, je vais mettre un méga filtre anti-droit d'auteur parce qu'on est sur France 5, donc on va prendre le minimum de risque. C'est Cro-Blanc qui partage. La gauche est subventionnée pour appeler à voter Emmanuel Macron au deuxième tour des élections présidentielles. Ce sont des petits chiens-chiens obéissants qui aboient parfois, un peu, et montrent les dents. Pour ça, qu'ils se font défoncer par la Macronie en ce moment, il n'y a qu'un tour aux européennes. Hallucinant, rigolez pas, c'est avec votre pognon, dit Destination Télé. Et du coup, on va regarder un petit passage sur France 5. Donc, c'est des mecs que je suis persuadé avoir vus sur des émissions du genre France Inter, d'accord? Je vais cacher au max, hein, c'est France 5, on déconne pas. Et vous allez voir, leurs propos sont tout bonnement hallucinants. Je sais pas si c'était quelqu'un de bien, Coluche. Parce que je pense que s'il était encore vivant, il serait de droite aujourd'hui, Coluche. Hein? Ramzy? Si Coluche était encore vivant, il serait de droite, non? Ah, il y a des chances, ouais. Ah, tu vois. On s'interdit rien. Alors, dites-vous que pour un gauchiste, être de droite, c'est plus ou moins le Troisième Reich. Donc là, en gros, il explique que Coluche, il était insupportable, très très méchant, ultra méga droite, etc. Le mec, ça doit être la personne qui a le plus démocratisé la liberté d'expression. Il n'y a pas plus libre en termes de liberté d'expression que Coluche. Et c'est grâce à lui que tu peux dire ce genre de conneries sur France 5. Donc d'où tu te permets de l'insulter en fait? Cette émission. Si on s'interdit, on équilibre. On équilibre, On équilibre, ouais. C'est vrai qu'on essaye de faire une vanne de gauche, une vanne d'extrême gauche, ouais. Une vanne d'ultra gauche, Ouais. pour vraiment avoir tout le panel De gauche. du spectre politique, quoi. Voilà, en gros, eux, leur pluralité politique, c'est la gauche, l'extrême gauche et l'ultra gauche. Tout le reste, ça n'existe pas. En fait, tout le reste, à partir du centre, hein, inclus, c'est déjà le fascisme. C'est trop violent. Donc pour eux, le plus extrême tolérable, c'est la gauche tout court. Et encore, c'est peut-être un peu limite. C'est peut-être bientôt c'est ultra droite, la gauche, hein, d'accord? C'est extrême gauche ou rien. Le pluralisme. Le pluralisme. Ah oui, Laurent, c'est un mot. Y a le journaliste qui dit le pluralisme. Et le mec qui fait le quoi? Je vous la remets, elle est incroyable. Le pluralisme. Le pluralisme. Ah oui. Le quoi? Le plural. Le quoi? Laurent, c'est un mot que Pascal Praud a inventé la semaine dernière. C'est un mot que Pascal Praud a inventé. Non mais alors là, moi je sais plus quoi dire. Hein. Je sais plus quoi dire. Les gauchistes cancel Coluche, tout va bien. Non mais c'est incroyable. Du coup, vu que Cro-Blanc l'a mentionné, je pense qu'il fera une vidéo dessus. Mais vraiment, mais c'est... Pouah! 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 Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!